Ricci au cœur du Monzecar, le jardin public de Miliana défie le temps et le béton et s'orne de toutes les couleurs de fin d'automne. Ici, la paisibilité est reine tout le long de ses sentiers, de ses senteurs, de ses arbres, des eucalyptus, des pins d'Alep et des séquoias d'Amérique du Sud. Cet endroit-là, c'était un peu la pharmacopée du sanatorium de Miliana, qui fait office maintenant d'hôpital. Je dis bien que cet endroit était la pharmacie de l'hôpital. Et c'était des prêtres et des moines qui venaient ici avec leurs escabeaux et leurs paniers pour cueillir des plantes et faire des décoctions pour les maladies du silice. C'est une maladie des mines. Dans cette officine à ciel ouvert, la fameuse statue dite l'égyptienne nous salue gracieusement et nous pousse à imaginer tous ceux qui ont pu un jour s'inspirer des charmes des lieux, tels que Alphonse Daudet dans les lettres de Montmoulin. En tout cas, le glas ne sonne pas encore pour Djinnit Bentarraï à Miliana.